Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 4 avec l'épisode 9. Évidemment, installez-vous confortablement, posez-vous, 4K, 60 FPS, toi-même, tu sais, évidemment, préparez-vous à apprécier 30 minutes que nous allons passer ensemble. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Si vous êtes heureux, mettez pause, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Hop, c'est pas par ici. Ça fait évidemment toujours plaisir. Et il est temps d'aller récupérer, excusez-moi, il est temps d'aller récupérer Ashley qui est tout simplement... enfermé, je vais pas vous dire parce que c'est vrai qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit B-Boy évite de spoil s'il te plaît, tu connais bien le jeu et quand tu dis la suite à chaque fois, ça gâche un petit peu le suspense et je veux bien vous croire évidemment et vous faire confiance là-dessus, donc je vais essayer de me calmer. Bisous mon ref, toi t'es un vrai frère, voilà, toi t'es un vrai frère mon frérot et ça, ça fait plaisir. Donc c'est parti, on va... Oh, oh, Sugoi. Je crois qu'il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. La nouvelle porte est ici. Néanmoins, il n'y a rien dans les airs. Et là... Ok, c'est juste un raccourci, c'est ça? C'est juste... À quoi sert cette nouvelle porte, en vrai de vrai? Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert cette nouvelle porte? Là, il y a quoi, là? Ok. Ouais, j'ai pas compris le nouveau chemin. J'ai sincèrement pas trop compris le nouveau chemin qui s'est ouvert, ni pourquoi il s'est ouvert. On est type par. On y va. On va prendre le pistolet, évidemment. J'ai le pompe, j'ai la mitraillette, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on y va. On va faire attention à tout ce que nous avons en face de nous. Et je crois que normalement, ça devrait être trop simple si jamais rien nous attendait. Ah, rien nous attend sur le chemin du retour. Incroyable. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a là? On a de quoi monter. On a de quoi monter et on a un tiroir verrouillé. En vrai, de vrai... Je me suis chié dessus. Wow, comment il est balèze! Oh. Eh merde. Ok. Ok, ok, ok. Bougez pas. Comment il est balèze de fou. Il était énervé, le man. Tiens, on va faire ça en direct, hein. Bas les couilles. Hein. Bas les couilles. Et là, fabriquer. On peut plus rien faire. Nickel, impeccable. Allez. On va rentrer directement par ici. Y a peut-être moyen que j'ai une petite clé qui traîne dans l'inventaire. J'en suis pas sûr. On verra bien. Moi, c'est surtout les... Les hôtels qui m'intéressent. Est-ce que j'ai une petite clé? Ah, j'ai pas de petite clé. Quel dommage. Quel dommage. On va save ici. On va save. J'aurais peut-être pas dû utiliser toutes mes munes d'ailleurs, by the way. Hop, on va save ici. Ça sera très très bien comme ça. On est bon. Et... On va aller où? Eh ben, on va aller tout simplement à l'église récupérer la petite Ashley, hein. Il n'y a rien d'autre à faire encore derrière. Et puis quand on aura Ashley, on sera très très bien. On pourra continuer. Et d'ailleurs, il me semble qu'ici, normalement, il ne devrait pas y avoir grande menace pour le coup. Ok. Quoique, je dis peut-être un peu n'importe quoi. Ah, bienvenue. Ashley Graham ? Non mais frérot. Je viens vous aider. Rentre pas dans une église et crie pas comme ça, mon ref. Rentre pas dans une église, écris pas comme ça. Hop, ça on prend. Ça, j'ai cru que c'était des munitions de pistolet. Ça, évidemment qu'on prend. Ça va nous permettre de crafter immédiatement de belles herbes. Voilà. Ok, là on est pas mal. Hein. On est pas mal, on s'est fait un petit peu de place. Je peux même peut-être me permettre... Non, c'était malheureusement... c'était malheureusement un rêve. J'y ai cru. Oh, attendez, quoi? Ah, c'est de l'autre côté. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des carreaux, ok. Enfin, dommage que je n'ai pas d'arbalète. Alors, oh, grand levier. On prend. Ok, on a donc une couleur à mettre là-dessus, c'est ça?
À moins que la couleur ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite clé. De quoi aller en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Une canne. Les gens ont vécu comme si tout allait bien, pour le coup. Ah, il était là. Ok. Bougez pas. Bougez pas, on va utiliser la petite clé pour le truc qu'il y a derrière. Ça me paraît presque primordial, évidemment. Alors, c'est par ici? C'est par ici. Let's go. Allez! Faites-moi rêver. Bah voilà, diamant jaune, je prends, j'adore. J'adore les diamants. Vous aimez bien aussi les diamants, je suppose. On est reparti. On est reparti. Au fait, évidemment, chers viewers, viewers, n'oubliez pas le j'aime, n'oubliez pas le commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Je ne vous le cache pas. On va mettre ça là. Ah, alors attends. J'entends des bruits, frère, c'est normal. Est-ce que c'est normal d'entendre des bruits? Très bien. C'est bon. Ok. Est-ce que c'est normal, frère, d'entendre des bruits? Je pense que oui. Et vous savez pourquoi? Parce que la personne qui se cache là-haut... Bon, je vais peut-être pas parler trop vite. On n'est pas à l'abri. Ashley, vous êtes là? On est à l'abri. C'est bon. Sinon, il se permettrait pas de crier comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Encore what? Ah, ok, un téléphone de toute évidence cassé. Oh, ok, on pourra passer par ici, c'est pas mal. On se barrera par là, je suppose. Allez, c'est parti, Ashley, viens, bibiche. Ashley? Ashley Graham, vous êtes là? Laissez-moi. Écoutez. Calme-toi. Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. Et... Ok, super. Hey, c'est dangereux dehors. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Perseguez-les. Offrez-leur don. Le salut. Eh bien, chapitre terminé. Résultat du chapitre, la fille du président. 300 PC, c'est plutôt pas mal. Attaque subie 2. Précision 78,3, c'est pas dégueu. Ennemi tué 22. On va save, évidemment, pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux projets. On est direct parti pour la suite. Let's go. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi. Et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. D'accord. D'accord, Léon. Très bien. Fichons le camp d'ici. Allez, okay. Chapitre 5. Tiens, tu veux ton téléphone, une biche? Allez, s'enfuir de l'église. D'accord. Allez, file, bibiche.
Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas dit. Alors. On va pouvoir passer ici. Normalement, ils vont pas monter l'échelle, je pense. Des mines adhésives, évidemment. Je n'ai pas l'arbalète. Ok. Alors, oh non, il y a un trésor derrière. J'ai le seum. Bouge pas. Bouge pas, bibiche. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok. Je fais pas trop le fanfaron si vous voyez ce que je veux dire. Ça a marché, je suis un putain de monstre. Ok. Je sais pas trop ce qu'il chante, si quelqu'un comprend l'espagnol. Ok, on peut se barrer. Je crois qu'ils ont même pas moyen de nous rejoindre. Allez, viens, Ashley. Cascade ! Non, pas du tout. Je me disais c'était peut-être un peu trop dangereux. C'est mort. T'inquiète, je te rattrape. Ça va aller, Ashley. Ok. Merci. On va pouvoir se tirer. Perchoir, je suis avec Eglon. Reçu. Elle va bien? Affirmatif. Bon travail, Condor 1. Un hélico par deck possible. Je t'envoie les coordonnées exactes du point d'extraction. Rends-toi là-bas et qu'il n'arrive rien à Eglon. Compris. Fais vite. Le temps se dégrade. Quoi ? Terminé. Il faut que j'aille où, là ? On va repasser là, donc on va pouvoir prendre ici. Par la même occasion, on a un trésor... On est où, là ? Ok, on a un trésor là. On a là. Et il faut que j'aille au point d'extraction ici. On a un petit hôtel. Très bien, ça, écoutez. Un trésor là, ouais, c'est pas grave, on n'est pas un trésor prêt, on va pas abuser non plus. Ah non, on a un trésor dans le manoir du chef du village. Comme je le disais, ça va être dangereux. Ok. Reste près de moi. Ah vache! À tous les coups, je vais attraper. Ordre à Ashley, R3 pour demander de se rapprocher ou de s'éloigner. Ok, appuyez sur R3 pour demander à Ashley de se rapprocher ou s'éloigner, très bien. Attraper un rhume. Là, je lui ai dit de pas bouger. Attends, viens. Ok. Viens, Ashley. Et tu vas rester reste là. En arrière. Ok. On va save. Bon. On va voir ce que ça donne, Ashley, avec nous. On y va. Recule. Fais gaffe, reste avec moi. Mais c'est quoi leur problème? Ok. Ok. Viens. Ok.
très bien. Attends. Oh non. Ok. Allez viens Ashley, on y va s'il te plaît. Oh non. Oh non, oh non. Ok. Oh non, je l'ai tué. Ouah, c'est chaud. Ouah, c'est chaud. En fait, Ashley, elle suit pas aussi bien que ça, en vrai. Hein. Oh, les galères. Oh, les galères. Comment je fais qu'est-ce que tu prends là? Ashley, bouge pas, je t'en supplie. Hein. Ne cligne même pas des yeux, ne lâche même pas une caisse. Ils sont longs, ils sont longs. Frère, ça a abusé les gars, wesh. Bougez pas. Ça, en vrai de vrai, ça peut être utile de fou. Non, attendez. Je veux juste l'équiper en raccourci. Fais gaffe, reste derrière moi. Oh putain, mais c'est quoi leur problème? Allez viens. Ashley. Viens bibiche. Oh. Alors la vache, j'ai eu chaud. Ok. Oh, regardez les yeux rouges. C'est énervé. Ashley. Ça va? Ouais. Bien. Merde. Ok. Ok, viens. Ashley. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Un vendeur? Très bien, ça. Ok. Ok, 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 vas-y, viens, Bibiche. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Ouais, allez, montre-moi ça. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, là. Vendre clé de l'insigne. On va la garder un petit peu. Trésor ou babiole, ça, on peut vendre. Ça, en vrai, on peut vendre. Par contre, c'est nous. 58 000 le Red Nine, hein, les gars. Ok. Merci. Ok. Ah, je peux améliorer le cut. Mais quand même, hein. Le pistolet pour qu'il soit au max. Et c'est ça pour voir. Ok.
C'est un travail qui demande... Elle va pas te faire tuer, hein. On est pas mal. On est pas mal. Let's fucking go. On peut continuer en route pour de nouvelles aventures. J'ai besoin que quelqu'un nous débarrasse de ce chien sauvage qui rôde autour du village. Il est très facile à repérer. Il ne ressemble pas à un chien normal. Zone, le manoir du chef du village. Éliminer la menace. Le manoir. On peut faire une pause ? Désolé, ça devra attendre. Eh ben, ça tombe bien. On a une petite quête secondaire qu'on va faire de ce pas. Alors. C'est pas ça. C'est plus ça. On va aller à droite et le manoir du chef du village est là. Attention, chien méchant. Waouh. Et en plus, il y avait un trésor ici, incroyable. Donc, gauche. On peut passer par là. Gauche, ok. Anigan avait raison pour le temps. Ok. Bien. Eh bien, Bibiche. Ok. Hein? En arrière. Ça marche. Os voy a hacer picadillo. Ok. T'es sérieux? Ok. Vas-y, viens, ouvre. Oh putain. Vas-y, ouvre. Ok, 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 ok. Allez, viens. Viens, 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 Bibiche. Je t'emmène là-bas. Tu vas me dire un petit peu ce que t'en penses. Viens. Okay. Allez. Ouvre-moi, je t'en supplie. Depuis le temps que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Ouvre-moi, je t'en supplie. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Allez. Allez. Ça s'ouvre pas. Ok. Merci. Très bien. Voilà, ça me plaît, mon pote. Allez, superbe. Ça me plaît. Ça me plaît. Ok. Bon, écoutez, on va aller en face. C'est là où il y a le dog. Et je parle pas de Snoop Dogg. Je parle du vrai chien. Le chien qui menace le village. Bon, alors que le village est quand même tout de même bien menacé, on va pas se mentir. Allez. Oh, putain. On doit tuer un chien. Alors que... il y a Ashley avec nous. C'est terrible. Oh merde, je croyais qu'il y avait un point de save ici, mais pas du tout. Ah oui, c'est la maison du... ok. Les amis... oh la vache, très bien. Oh non. C'est fermé ici. What the fuck. Ok, il doit y avoir un chien là-dedans. Je vais voir si on peut passer à droite. Eh ben non, on peut plus, c'est finito. Finito le trésor. Ok. Où est le chien? Éloigne-toi. Ok. Ok. Il est sûrement à l'étage. À l'étage du maître. Il est là. Oh putain, il est en haut. Viens. Oh putain, il est en haut. Ok. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est de l'inédit encore une fois. Ça, c'est de l'inédit. Ok. C'est quoi cet endroit?
Alors, bougez pas. Ça, fabriquer. Ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chien. Si, c'est ça le chien. Je comprends pas. La forge tant attendue, photo de l'usine 1992. Ah putain, non. Je l'ai entendu, hein. Je l'ai entendu. Et je pense que vous l'avez aussi entendu. Chronique du village. L'ancien m'a confié le village aujourd'hui. Il m'a dit que je pourrais apprendre mes tâches au fur et à mesure. Je vais commencer par tenir les chroniques du village. Je ne suis pas encore à l'aise avec l'écriture, mais l'ancien m'encourage à continuer. Je vais faire de mon mieux. Il y a un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans la cabane au bord du lac. Sa mère a, semble-t-il, rejoint les cieux juste après lui avoir donné naissance. Contrairement à son taciturne de grand-père, c'est un garçon plutôt bavard et plein d'entrain. Aujourd'hui encore, il m'a raconté l'histoire d'un chevalier juché un âne. Le grand-père du petit garçon est tombé malade et son état s'aggrave de jour en jour. Son petit-fils est très inquiet, d'autant qu'il se murmure parmi les villageois que le vieil homme serait atteint d'une forme de folie. Alors que je prenais congé, le vieil homme m'a pris à part et m'a dit « Si quelque chose arrive, tu sais quoi faire ». Je n'ai plus que hocher la tête. C'était une horrible nuit. Tout le monde se tenait autour de la cabane et le regardait partir en fumée. Le garçon observait la scène sans dire un mot, sans bouger un pouce. Même une fois l'aube venue, le jour suivant, il n'était plus là. Ok. Ah. Ok, toujours le même geste. Hein. Photo d'un garçon et son grand-père, la famille Navarro. Inspecteur Navarro. Ah, on entend le dog. On entend le dog. Oh, il est beau, lui. Portrait d'un père. Veille sur ce village à ma place et que des sourires éclairent chacune de tes photos. Chronique du village, volume 2. Tous les hommes ont laissé éclater leur joie en voyant le bateau traverser le lac à toute allure. Ce liquide extraordinaire va grandement faciliter le travail des pêcheurs. La forge construite l'an dernier s'est elle aussi fondue dans le paysage. Nos faucilles et nos couteaux brillent comme jamais. Les deux poissons d'eau douce que nous avons reçus récemment mangent de tout et se sont vite reproduits. L'élevage de poissons dans le marais se passe également à merveille. Pendant la journée, j'enseigne l'écriture et le calcul aux enfants. Chaque soir, je dîne avec une famille pour entendre leurs problèmes et les derniers ragots. Le tout sous le toit de cette maison que nous avons construite. Depuis que j'ai ouvert le village sur l'extérieur, nous prospérons et les gens sont plus heureux. Des sourires ont même commencé à apparaître sur leurs visages. Un étrange groupe de personnes en robe noire est venu du château et a hissé un drapeau, inquiétant avec un symbole ressemblant à une araignée. Après avoir prêché le salut et le pardon, ils nous ont injecté quelque chose qui, d'après eux, nous guérira de la folie. Peut-on leur faire confiance? Aïe, 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 c'est Lord Saddler. Again and again and again. Allez, go. Ok. J'ai que une seule... Elle m'a fait peur. Oh, fils de pute. Oh là là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. On va se pourraver avec lui ici même, je pense. Attendez. Bougez pas. Chose importante à savoir.
Attention, chien méchant. Salut. À péter. Oh la vache. Attends, c'est rien, Ashley, j'ai juré tu vas t'en remettre. Juste bouge pas. Allez. C'est bon. Viens par ici, bibiche. Tout va bien? Okay. Ça va. Bon. Pas mal. Ok. Maison communautaire, on va y aller. On va y aller parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Et toi-même, tu sers. Oh. Allez, viens, Ashley. Alors. C'était pas là? Si, attends, le trésor, il était où? Ouais, il était à l'un, hein, je suis pas fou. Il y a moyen que il pompe juste. Voilà, il est là. Pas de panique. Voilà. Pour un petit bleu velours qui plus est. Écoutez, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, le j'aime et le commentaire, ça aide énormément. Je vous fais des gros bisous. On ira récupérer la roquette juste après. Bisous tout le monde. Bye bye.